Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur une cape d'ondin. On va essayer de faire de l'exorèse terre. Et on a 90 de puits sur le PA qui est tombé sur la rune soin. Alors, on a la sagesse à 38. On va être un petit peu bloqué. On va avoir un souci de vitalité aussi. Je crois qu'on va peut-être être obligé de partir en overvita là-dessus. Déjà, il faut qu'on s'occupe de l'intel. Moins 20 là-dessus. Que je vais enlever. Allez, à la pas faux. Hop, parce qu'il n'y a rien qui pèse 3 sur l'item. Ensuite, le tacle. Cool. Dos feu, moins 2. Les esquives PM, ça crit. Rune soin, ça passe. Moins 10. Donc on a 58 de puits, un petit peu embêté par la Vita quand même. Hein. Bon, de toute façon, je suis obligé d'y aller à la ravie. On va voir, faut vraiment que je perde pas trop de puits. 3, 4, 5 ravis qui passent pas. Bon bah malheureusement. Hein. La dernière, j'avais même un petit peu de puits en rab. Dommage, dommage pour cette première tenta. Est-ce que le PA repasse? Bon, super. 96 de puits sur ce PA qui est tombé à la rune d'esquive PM. Alors cette fois-ci, on a les 40 de sagesse, donc on va peut-être pouvoir aller chercher du G perf éventuellement. Il faut over intel, ça va piquer, mais voilà. Tac. De toute façon, j'ai perdu 60 tout à l'heure sur des runes qui passaient pas. Là, direct, ça passe, hein. Ça va tout de suite mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre la repair R. Ça crit en plus, incroyable. Alors je sais que j'ai qu'un PO, hein, je veux terminer avec du crit, vous inquiétez pas. Alors là je suis un tout petit peu embêté parce que j'ai 9 et je vais même pas pouvoir en fait tomber comme je voudrais. Je pense que je vais mettre du tacle. Ok, mais là j'ai 5 de trop. Je peux mettre une pavie. Yes. Et une raie neutre par exemple. Ok. La ravie. Ok. Lini. Ok. Allez, moment très important, la part EPM. Qui crit. Ah, oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, Dofus. Qu'est-ce qu'on aime? Bon, j'ai 86 de puits là-dessus. C'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Ça peut nous faire une énorme tenta. Je pourrais partir en full over Vita. Mais on veut quand même de l'exorès, c'est plus beau. Après, si je fais de l'overvitage, j'ai du G-perf, quoi. Ça, c'est pas négligeable. J'ai bien envie de balancer 8 ravis, en fait. Le problème, c'est qu'à la limite, il aurait mieux valu que je mette l'esquive PM avant. Comme ça, j'aurais pu essayer d'aller chercher les 503 de Vita. Ça aurait peut-être été mieux, j'avouerais. Ah, je sais pas. On me dit que j'ai pas compté la ravie. Bah si, je l'ai compté ma ravie. Ah non, je l'ai peut-être oublié. Quel chat incroyable. Heureusement que j'ai un chat de fou, hein. Super, merci à vous. La communauté hein, qui fait les FM avec moi, quel plaisir. Du coup, 76 de puits. Est-ce que ça change quelque chose? Pas tant que ça. Est-ce que j'avais du puits d'avant? Je pense pas. Hein. Là, j'ai eu moins 3. Là, non, j'en avais pas d'avant. C'est quasiment. Ah, c'est très peu probable. J'ai peut-être eu un plus 6 là. Si là, c'était du tacle et que j'ai eu un plus 6, là, j'ai moins 4. Il me restait 2. Et là, j'ai eu moins 3. Ouais, non, j'ai 76. Bon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, je pense que je vais tenter le crit à la raie neutre et après partir en exorèse. En fait, si j'avais voulu faire de l'overvita, ce qui aurait pu être tentant, hein, il aurait fallu que j'y aille depuis le 353 vita, ça aurait été bien plus rentable. Enfin, rentable, dans une optique d'aller chercher vraiment des gros jets, parce qu'un 503 vita sur du perf, ça aurait été magnifique. Mais on va tenter le crit là-dessus. En plus, j'avais les nids. Ok, ça passe pas. J'ai moins 1. 75. Je peux tenter un crit par exemple à la pas faux. Non, 72. J'ai donc 12 tentats restaires. Je vérifie que j'ai rien oublié. Tout est bon. Allez, go, une.
2. 3% sur le dernier, c'est stylé. On va commencer par le PO, tiens. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO, dommage. On a fait tomber le PA avec une rune d'eau feu, on a 95 depuis. Encore une fois, on a l'intel à 79, décidément, on n'a pas vraiment de chance. Je pense que là, comme de toute façon j'ai eu 38 de sagesse et que j'aurai pas le GPF, je vais pas tryhard le 80 intel, parce que là ça va être juste pour un G à peu près correct en Exores pour de la revente. Donc on va pas dépenser plus de puits que ça pour gagner un de stats, sachant qu'on aura un item de toute façon qui sera sur du near perf. Donc on va plutôt aller chercher la Vita. Allez. Tac. Toujours un petit peu essayer d'anticiper les congruences. Donc là je sais que je vais arriver à 347. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 18. Donc là, on aura sans trop dépenser d'énergie. Bon, quand je dis énergie, il faut comprendre du puits, hein, bien sûr. Bon, on a soigné le G, en fait, tout simplement. On a 62 de puits. J'ai 2 en rab. Bah là, en fait, je vais les claquer là-dedans, tout simplement. Je peux faire 2 tentaillinés, ce qui est pas mal. Sait-on jamais, ça aurait pu passer. 10 tentarèses, c'est à peu près correct. % 3% bah c'est quand même pas mal. On va commencer par le payeur en vrai. Comme ça, si ça passe pas. En fait, du point de vue maximisation de la variance, il faudrait faire PO et PA. Mais en fait, pour pouvoir enchaîner le FM derrière, si ça passe pas, c'est mieux de faire PA, PO. Donc je vais faire comme ça. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Dommage. On a fait tomber le PA à la rune saut. On a 90 depuis. On va avoir le perf sagesse. On va pouvoir aussi aller chercher le perf intel. On va commencer par ça d'ailleurs. Ah. Aïe. J'ai mal à mon puits, je vous avouerai que là je suis pas ravi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre. Il me faut de la. L'esquive PA, esquive PM. Enfin, esquive PM, je peux pas. Il me faut de l'esquive PA, du retrait PA ou du retrait PM. Je vais vous trouver ça, ne vous inquiétez pas. Ça ressemble à quoi les runes là? Ouais, c'est des trucs comme ça. Alors, pas retrait PA, c'est un peu gros. Allez, retrait PA, c'est nickel. Il faudrait que ça crit. En vrai, je dis ça, mais est-ce que je mettrais pas plutôt de la pavie pour l'instant, histoire de récupérer un peu? C'est un peu mieux comme ça, je pense, hein. 307. Ouais, allez, là par contre, je vais mettre de la rune tacle. Non, de la rune fuit, décidément. Il faut prendre les bonnes, hein. Pas fuit, c'est pas ça. Fuit. Ça passe pas. Ok. On va mettre la sagesse. Moins 9. On va mettre le soin. Moins 10. On a 21 restants. Bon, en vrai, on va faire. On va faire une rune vie. Ou alors. Non, je vais plutôt faire ravi. Comme ça, je peux espérer en récupérant un sur l'initiative. En fait, non, ouais, si je vais mettre l'initiative, comme ça, il suffit que j'en récupère une et j'ai deux Tantarès. Parfait. Deux Tantarès. Bon, bah on a réussi à faire un truc. Bon, c'est pas ouf, mais on a réussi à bricoler notre item pour en tirer quelque chose malgré le moins 50 sur l'over intel qui nous a bien fait mal. On va mettre le PA. Bien sûr, ça passe hein, sur le 1%. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. Le PA est tombé encore sur une rune soin. On a 97 depuis. On aura 38 de sagesse, c'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce qu'on va faire de la Vita?
Je ne sais pas trop. On va commencer par monter l'intel. Déjà E60. Tac, moins 6. On va s'occuper de la vie qui est vraiment très basse ici. On va aller chercher la meilleure congruence qu'on peut avoir pour du gros G. C'est-à-dire, hop, 296. J'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 21. La petite ravie qui passe, en crit, ça fait plaisir. Allez. Encore un crit, c'est plutôt cool, hein, j'avais plus l'habitude, j'avouerai. Là, pas ça. Non, on va d'abord mettre les repères R. Je vais y aller par ordre croissant depuis. Pour maximiser la variance. Hop. Là, pas ça. Tac. Moins 9. Là, pas de feu. Moins 15. 24 de puits restants. Bah, c'est parfait. Ça nous fait 4 tentats. C'est acceptable. On va commencer par le PA. On n'a pas le PA. 91 de puits sur cette cape d'Yondin qu'on reprend après un arrêt assez conséquent. On va devoir commencer par Nantel, hein, très clairement. Là, c'est parti. Boum, moins 10, over, il faut qu'on baisse. J'aurais bien aimé avoir une esquive PM à rattraper pour baisser de 7. Comment on va faire là? Il m'aurait fallu soit du tacle pour faire un tacle, une pavie et j'enlève les 7, soit une esquive PM. Je pense que je vais y aller dos feu. Dos feu et je vais lâcher la petite raie neutre. Voilà, c'est correct. Allez, les deux feux, moins 5. Ouh là là. Les repères R capricieuses, moins 24. Ok, 52 de puits restants. Je pense qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, tac. Là, j'ai fait moins 12. J'ai fait moins 10. Il me reste 30 normalement. Ok, 1, 2 et 3. Ok, on a un over sympa, on va tenter quand même là-dessus. Idéalement, je vise du pourcentaire à un veau, mais quand j'ai pas le paire Vita, je fais de l'over Vita, ça marche aussi. Le PO, est-ce qu'il passe? Il passe pas, ok, c'est plié. Oh, j'aurais dû commencer par le PA d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, on a fait tomber le PA avec une Rasa, autant dire que c'est pas génial. On a 90 de puits, on a perdu beaucoup. Je pense que je vais garder un crit Rasa pour la fin, il va falloir qu'on le passe pour avoir une chance d'avoir quelque chose de propre. On va commencer par l'intel. Que je vais laisser ici à 52. Ok, ça passe pas trop mal. Moins 20. Ok. La Vita. Ouais, on va aller chercher le near perf comme ça, ce sera correct, on va dire. On va aller monter. Ok, on a du crit là. Oh, c'est pas mal ça fait plaisir. Moins 10. 57 restants, tout se joue ici, hein, très clairement. Ok, ça passe, j'en ai jamais douté. Les petits dos feu tranquillement pour la fin. J'aurais pu aller chercher le 350 éventuellement, mais ça m'aurait demandé beaucoup de sacrifices pour peut-être pas grand-chose. 37 de puits restants. On va y aller sur de la réperterre. On a les deux PO en plus, hein. Oh, on est pas mal là. Hein. Allez, c'est parti, une. 1%, c'est pas dingue. On va remettre le PA, ça passe pas. 98 de puits sur ce PA qui vient de tomber, on a 38 de sagesse, donc c'est un peu triste, on va aller chercher le near perf, mais on pourra pas faire un truc ultra propre. On a du crit pour commencer, ça fait plaisir. J'ai pas été très malin, j'aurais pu peut-être garder... Ouais, j'aurais pu commencer par l'over intel, mais de toute façon j'avais pas de pourcent raise à choper. Ce que je peux faire... Moi bon, j'ai eu du crit, c'est pas mal. Je peux éventuellement... Monter la Vita. Ah, ça va faire chier là. Non, je vais devoir.
Je vais over un tel, moins 10. Je pourrais tenter une raise ou je peux tenter deux pavis aussi. Je vais y aller comme ça, deux pavis. Bon, ça me l'enlève. J'aurais pu avoir une pavie qui passe, auquel cas j'aurais pu partir en exoraise. Moins rien du tout, hein. 78. Allez, il faut passer l'over, j'ai pas le choix. Moins 10, 68 depuis. Il faudrait que j'enlève 37. Il faut 8 à virer. Je vais faire. Comme ça. Ah, ça me fout un peu dans la sauce là. Ok, je vais continuer. Oui. Oui. Ok. Et on part en exorès là-dessus. Ok, là j'ai moins 4. À partir de là j'ai 64, donc je vais caler 1 dans la sagesse. Des fois que ça passe. Ok, donc ça me laisse 10 tentas, c'est quand même pas trop mal. Je pense que j'aurais pu mieux gérer le truc, j'ai un peu cafouillé. J'aurais dû commencer par l'intel en fait, c'est là mon erreur. Ok, j'ai un crit. J'en ai une de rab. Ok, 3%. Bon, on est sur un 3% propre, c'est bien. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Ah, il n'y a pas le PO, hein, faudra mettre le PO. Est-ce qu'on a le PA déjà? On a le PA, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. Dommage. 99 depuis là-dessus. Alors on a les 40 sagesse, on a les deux PO. En revanche, on a une vita un peu. Une vita un peu dégueu. C'est compliqué. On va essayer d'aller chercher un beau G, mais ouais, c'est pas ouf. On va commencer par l'intel, comme ça c'est fait. 10. Il va nous falloir une petite rune d'eau pour enlever ça. Est-ce que j'ai ça qui traîne? Allez, deux poux, ça sera très bien. Hop, ok. Alors ensuite, les esquives PM. Ok, un crit, moins 2. Moins 35, ça picote. Aïe, oh là là, ce que ça nous a coûté ça. Ça fait très mal. Que faire? Techniquement, je peux faire pavis. Moins 6. Ravi. Alors effectivement, si ça ne passe pas, la technique tombe à l'eau. Hein. Ça, c'est les inconvénients de la chose. Et bien sûr, j'ai pas de rune pod. Hein. Ça, c'est vraiment un plaisir d'interrompre son FM pour aller acheter des runes. C'est tout ce qu'on adore, évidemment. Allez. Tac. Ça coûte une fortune, bien évidemment. Hop. Bon, on peut espérer peut-être une tenta sympa, 1% plus invoque ou un truc comme ça, on va voir. Le G est propre, mais on n'a plus de puits, quoi. Ça, c'est les inconvénients de vouloir aller chercher vraiment les G soignés. Du coup, là, j'ai dit, il me reste 6. Et avec la rune pod. Ouais. Bon, bah écoutez, on a une tente à raise, hein, c'est un plaisir. Qui ne passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? On remet le PA. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une rune trans là-dessus? Bon, de toute façon, c'est réglé, hop. 97 de puits là-dessus, alors on est juste après un puits PA, ça retombe direct. Si on a du crit, ça peut donner quelque chose de sympa éventuellement. Je suis obligé de commencer par l'intel, sinon je pourrais jamais la retoucher. Ok, ça passe, c'est cool. Moi, on va enlever ça. On peut faire ça. Alors après, je peux y aller à la pavie. Ouais, bah, je vais faire ça en vrai. Ok. C'est honnête. Moins 7. Allez, on va sortir nos meilleurs crits là. Bon, c'est correct. Moins 24. Ah, les esquives PM qui coûtent cher à chaque fois. Hein. Moins 28.
Ah bah oui, bien sûr, le jeu qui bug, on en avait besoin. Ok, le crit au bon moment cette fois-ci. Moins 10. Eh bien, on va s'en sortir de façon honorable. Ma petite rune pod. Ok. 18 de puits, ça nous laisse 3 tentares. Franchement, vu là d'où on partait, c'est pas dégueu. Voilà, 2%, c'est honnête, ça passe. Petit PA qui passe pas. 91 de puits, on a le perf sagesse, ça fait plaisir. Si ça passe bien sûr, moins 18. On va pouvoir aller chercher un beau jet là. Ah, j'aurais bien aimé qu'il me manque un de tacle. Je garde le PO pour la fin. On va faire ça comme ça. Moins 10. Ça passe plutôt bien les Rainés aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors je peux soit faire pavie. En fait la pavie, on va pouvoir aller chercher le perf. On aura du vrai jet perf là cette fois-ci, ça fait plutôt plaisir. Je vais y aller pavie. Ok. Et il faut juste que je vire ça. Alors j'espère juste que ça va bien taper l'intel. Des fois ça tape ailleurs. Bon, le puits, je m'en fous. Moins 20, ok. Tout va bien. Il y a une faible chance que ça tape ailleurs et ça m'aurait vraiment embêté que ça casse ma vita par exemple. Là, j'ai moins 2. Moins 10. Ok, on a un beau GPerf. 31 de puits restant. Bah, il n'y a rien à faire avec le 1 qui reste. On pourrait techniquement tenter. Le quintuple succès crit à rune qui fait plus 1 pour gagner une tentarèse. Dans la théorie parfaite, il faudrait le faire, mais statistiquement, il y a plus de chances que je me sois planté et que j'ai 30, donc on va y aller directement là-dessus. Allez, j'ai 5 tentas. 1, 2, 3, 4 et 5. Le petit PA. Ça passe pas. 96 depuis là-dessus, avec peut-être un petit puits résiduel précédent, mais ça, je pense pas. 38 sagesse, donc on part sur du near perf, mais pas du vrai perf. Alors en revanche, je peux spam les pavis en espérant que ça passe. Ça peut être une façon de faire. Bon, c'est pas forcément le plus judicieux. Je vais commencer par l'intel. Ok, moins 20. Et là, il faudrait que j'en ai une qui passe. Ça me monte à 350. Ouais, non, c'est chaud. Je peux soit spam ça comme un fou, soit faire un over. Ouais, je vais plutôt faire l'over parce que ça, c'est vraiment un coup à défoncer du puits comme pas possible. Moins 20. Et là, je les récupère à la rune qui pèse 7, comme ça, c'est nickel. Bon, par contre, là, le puits prend très très cher. On risque de pas aller loin, malheureusement. Ouais, ça pique. Moins 12. Crit. Allez, un crit là-dessus, ça ferait du bien. Bon, moins 10. Il me reste 13 depuis, hein. Je vous avouerai que là, c'est un petit peu la dèche. On va mettre deux runes. Ok, j'ai 1%. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, là-dessus, malheureusement, bah, on va pas très loin, hein. Je vais être très honnête avec vous. Donc, on risque de pas avoir d'autre choix que de balancer. Plutôt de la res mêlée, je pense. Si on a un crit là-dessus, franchement, ça fait plaisir. J'avais oublié le PO, de toute façon, comme ça c'est réglé. Bon, va falloir se reconcentrer un petit peu là, ça va pas du tout. 96 de puits là-dessus, on a 48 de sagesse. Bon, on va commencer par l'intel doucement. Oh, je dis ça, mais. Ouais, bon, comme je suis à 38 de sagesse, je vais pas me casser la tête à la rune pod. On va aller chercher la vie à 347, ce sera bien. Moins 6, je vais monter. Ouais, je vais m'occuper de l'intel. On va la monter en one shot à 60. Moins 12. Le tacle à 14. Ça crit. J'ai les deux PO. J'ai tendance à oublier un petit peu le PO, hein. Je vais pas le cacher. Ok, moins 20. Ah! Ok, moins 40. C'est honnête. 38 de puits. Bon, j'ai pas grand-chose à faire du puits que j'ai en rab. On va faire 6 restaires. Je vérifie que j'ai pas oublié un truc parce que là j'ai tendance à faire la chose un peu vite. Ok. Allez, 2. 2%, c'est honnête. J'ai pas eu de crit. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 90 de puits là-dessus. 36 sagesse, c'est relou. Bon, on va y aller de façon assez linéaire, on va aller chercher le petit G.
Moins 18. Moins 15. J'ai un doute là, je sais pas pourquoi. Non, tout va bien. Ok. On a les deux PO en plus. Moins 10. 43, 7 Tantarès, c'est pas mal. Ah, si les abonnés me souhaitent bonne chance, ça devrait passer. Ah, t'as mal souhaité good luck, hein. Non, c'est honnête, c'est honnête. Si on passe un petit pourcent res distance ou res mêlée par-dessus ça, ce sera bien. Allez, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 91 depuis là-dessus. Bon, on est sur du gros gros jet. Bon, il n'y a pas le PO, mais sinon, par la Vita, il n'y a pas grand-chose à retoucher. Let's go, hein. Let's go. Moins 10. Je vais aller chercher les restes. J'ai envie de voir un 4% proc en fait. Ok. Ok, dommage. Hein. 71. Ah, si j'avais un en rab, il aurait fallu que je passe une ini et je gagnais une tenta, quoi. C'est un peu frustrant. Il n'est pas trop tard pour tenter un crit, hein, j'ai envie de dire. Ouais, tant pis. On pourrait tryhard encore, mais j'aurais eu un crit, je passais à 72 et j'avais 12 tentas. Bon, on a 11 tentas, hein, c'est déjà très propre. Je vérifie que j'ai rien oublié. Tout va bien. Bon, on a un 3% qui est correct. Je vais commencer par le PO cette fois-ci, allez, pour changer. Dommage. 95 depuis là-dessus. Ouais, on a le perf sagesse, c'est cool. Moins 9. C'est pas méga propre. Allez, c'est parti. Oh, cette fois-ci, on a un peu plus de chance sur l'esquive PM qui m'a fait perdre beaucoup, beaucoup de pluie ce soir. Moins 8. Décidément, il y avait beaucoup à remonter là-dessus. Hein. Moins 30 là-dessus. Aïe, ça pique. Moins 10. Il reste 24. Bon, on devrait avoir deux tentats. Ok, on a 1%. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 95 depuis là-dessus. Alors on va aller chercher le perf sagesse déjà. Tac. Ouais, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va faire de la Vita? Je pense qu'on. Ouais, bon, on pourra pas aller chercher le perf là-dessus. On va y aller comme ça. Ce sera correct. Bon, je pourrais aller chercher le perf à la rune pod, mais ça me prendrait tellement de puits. J'ai moins 15 ici. 10. Bon, l'intel va falloir over, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Ok, ça passe, c'est pas très capricieux, tout va bien. On va récupérer ça sur. Ah, j'aurais dû faire le. En fait, là, ça aurait été plus intelligent de faire l'intel impromptu parce que j'aurais pu baisser le 8 d'over avec un de feu et une pavie par exemple. Là, je suis un petit peu embêté, bon, c'est pas dramatique non plus. Je vais faire ça, ok, j'aurais bien aimé que ça passe. J'ai moins 1. Et le crit qui compense un petit peu, on s'en sort pas trop mal. Là, j'ai moins 5. Encore un crit. Allez, un crit sur le soin, ça ferait plaisir. Yes. Bon, on a du crit, c'est cool. 35. Alors là, je viens de reprendre le FM. J'avais a priori pas de puits d'avant. Bah, si je pouvais avoir un petit puits en plus, ce serait cool. On va tenter le crit. Hein. Ok, là, c'est mort. Bon, techniquement, je peux toujours tenter de le crit sur une rune qui pèse 2. Ok, là c'est définitivement mort. Donc j'ai 5 tentas. Hop. Allez, 2. 2%, c'est ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 88 depuis là-dessus. Bon, c'est pas terrible. Hein. La sagesse va être bloquée. On va commencer par l'intel, je pense. Oh, je peux aller chercher le perf. J'ai pas besoin d'over. Moins 3. Ok, ça se passe bien. Il faut que je claque la ravie.
10. Allez, si je pouvais avoir un moins 5 et pas un moins 6, ce serait appréciable. Ok, le crit, alors, il qui arrive toujours quand il n'y en a pas besoin. Des fois, j'essaie de gagner une tenta comme ça. Vous allez remettre le soin. Moins 19, ça picote. Et j'appelle. Ok, bon, il y a du crit là. Il y a du crit, on s'en sort bien. Bah, décidément. Ok, moins 7. 39 de puits. Bah, écoutez, j'ai une tenta. Si j'ai un crit à la sagesse, hein, c'est cool. Ok, donc j'ai 36, donc 6 tentas restèrent. Vérifie que j'ai rien oublié. Tout va bien. Quel plaisir, on adore Dofus. Est-ce qu'on a le PA? Bien sûr, on a le PA là-dessus, c'est vraiment incroyable. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? RS mêlée, hein, si on a un crit, on va dire que c'est cool. Et non! 96 depuis là-dessus. On va commencer par l'intel, qu'il va falloir over. Aïe! Moins 50, bah super, hein, c'était un plaisir cette tenta. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste? On va y aller. Pavi. Et 10. Oh, c'est dommage, ça partait bien. On aurait pu avoir pas mal de tentares. Là, malheureusement, on va être un peu bloqué. Hein. Et on a un magnifique 9 de puits restant. Bah, super, hein, on a utilisé 96 de puits pour monter 3 lignes. C'est vraiment absolument génial. Donc, bah, on peut tout le temps, on peut toujours espérer 1% de raise. Ok, même pas. 98 depuis là-dessus. Bon, la sagesse 38. On va commencer par l'intel. Ça passe, super. Ça, c'est le genre de runes qui peuvent coûter très cher si ça veut pas passer. Les tacles. La vie. Ok, nickel. On va mettre le soin. Ouais, le soin. Il passe aussi. Ok, je sens une belle tenta arriver là. Ça se passe très bien. Hein. 74 de puits, on va aller chercher le perf vita. Toujours bien réfléchir aux congruences hein, quand vous remontez vos lignes pour aller chercher le perf autant que possible. 29, ok, ça a coûté un peu cher la ravie. 45 de puits restant. Je vais mettre une tenta sagesse. Si j'ai un crit, je peux gagner 1, voilà, et 7 tentares. Bah, c'est pas génial. Hein. On n'a pas le PA. 94 de puits là-dessus. Il va nous falloir, nous falloir du crit sur la Rasa, là, hein, concrètement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la partie basse de l'item est à peu près bien. Il y a juste un dofeu à remettre. En revanche, il y a des gros manques au-dessus. Qu'est-ce que je vais faire de l'intel? On va la monter comme ça, je pense. Allez. On va aller chercher les 60. 3, 4, 5, 6, 7, 21. Allez, Rasa. Ok. Bon, c'est tout ce que je voulais, hein, le reste après. Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous? En vrai, j'ai à la ravie. 30. Ok, nickel. Bon, on a du G-perf, c'est parfait. On a fait les choses bien. Si ça passe, bien sûr. Moins 30, à la vache. 13 de puits restant. Ouais, bah c'est pas ouf. Hein. On a une tenta, hein, je suis ravi. Bon, on aura un GPR, enfin, super. On n'a pas le PA. 91 de puits ici. Allez, il nous faut un crit à la Rasa. Ah. Aïe. Bon, on va tester quand même, hein. On a les deux PO. Ok, on a eu un crit à l'intel. Elle est comme ça, moins 9. Je dis ça, mais en fait, non. On va même aller chercher ici, moins 6. Ok, parfait. Étant donné que j'ai pas le perf sagesse, je vais pas chercher le perf vita. Je pourrais avec, avec de la rune pod, hein, mais... Moins 30.
Et bah on a une Tantarès, c'est vraiment magnifique. Oh quel plaisir, c'est si beau. Pas de PA. 94 de puits ici, malheureusement on a une vitalité impaire, donc on pourra pas aller chercher le perf à la rune pod. On va commencer par l'over Vita. Je pourrais tenter la double pavie, mais après, au-dessus de 300 les pavies passent quand même vraiment pas bien, à mon avis on bouffera moins de puits à y aller comme ça. Moins 10. Ah, il fallait juste que je crit pas sur le tac, quoi. C'est vraiment. On est sur une poisse. Et je crit là. Eh bien, décidément. Bon. Bah, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On est dans la sauce là. On va mettre une rune fuite. Ah, les crits, ils arrivent vraiment quand il les faut pas, quoi. C'est assez ouf. Bon. Et là, bien sûr, les crits, hein. Ne sont plus avec nous, malheureusement. Allez, crit sur le soin, non, même pas. Bon, on va quand même avoir quelques petites tentas sympas. Je pense. 15. Oh, ça descend vite tout ça. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit puits résiduel? Je vais check. Là, on a eu moins 2. Là, on a 1, 6, 12. Oh, j'ai récupéré ma spuie là-dessus, attendez voir. Ouais, 1, 6, 12, moins 7, j'ai plus 5 là en fait. J'ai plus 5 ici, là j'ai moins 2, donc en fait j'ai 3 de plus. 32, donc j'ai mes 5 tentas. Ok, ça va. Tout va bien. Bon, 2%, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 94 de puits, c'est parti. On va commencer par remonter un peu l'intel qui est bien basse. Ok, on a eu du crit. Je vais m'occuper de la vie parce qu'il va falloir un petit over. 13. Oh, ça peut le faire. Hein. Un 30. Bon, on va avoir une tenta sympa. Sauf si la sagesse nous troll. Ok, moins 9. 36, c'est parfait. Vérifie que j'ai pas d'oubli, tout va bien, let's go. Bien sûr, hein. 1%, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA, alors on va faire une tenta res mêlée. Si on a un crit là-dessus, ça peut faire un bel item. 87 depuis, on va commencer par over intel 10. Super. 9. Ok. 3. Oh là là, 21 là-dessus. Ah, des fois il y a une vieille rune comme ça qui défonce tout. Allez, on a 3 tentas. 1%, youpi. On a le PA. Tentative crit res mêlée. Et ça passe pas. 97 de puits. On n'aura pas le perf sagesse malheureusement. On va commencer par l'over intel. Hop. L'over vita. Moins 30, aïe. Dommage, j'aurais bien aimé un moins 10 vita, ça aurait été plus propre. 7. Oups, bon, heureusement que j'avais... Heureusement que j'étais au seuil, ça m'aurait embêté de balancer 10 de puits dans le vide là. Ok, moins 6, on a un peu plus de chance sur les raises. 4. Il y aurait bien un petit crit là-dessus. Dommage. 23. Est-ce que j'avais peut-être un de puits en rab? On va voir. Là, j'ai moins 3.
Et là, je ne sais pas c'était quoi comme rune. On peut toujours choisir de la méthode du mec qui espère qu'il avait un de puits en rab hein, et balancer 4 runes. Hein. De toute façon, bon, j'en suis. Ok, je l'avais effectivement. Bah, je suis content d'avoir eu 4 tentants, hein, vraiment, ça refait ma soirée, hein, c'est indéniable. Bon, bah, go tenter le crit, hein, mais. Dommage. 87 depuis ici. On a un PO, donc on tentera le double crit à la fin. Allez, c'est parti. 10. Et. Je vais être un peu embêté sur la vita là. On va devoir y aller comme ça. Relou. Je voudrais juste un moins 6, c'est tout ce que je demande. Oui, évidemment. Bien évidemment. Hop. Depuis bon on peut espérer en avoir 24 et balancer 4 tentats. Ouais, je les avais hein. On n'a pas le père 91 depuis, on a le père sagesse, on peut aller chercher le père vita. Ouais, quoique ça va être compliqué le père vita, j'aurais voulu pouvoir passer ma pavie avant d'arriver à ce seuil. Bon, on va y aller ravi hein, puis on verra ce qu'on fait avec ça. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué les amis. On va faire ça. Et on va faire ça. Hop, est-ce que j'ai compté ma ravie? Non, ma 10. Ok. Bah oui, il y a eu un lag et du coup j'ai passé une rune de plus. Que voulez-vous que je vous dise? C'est pas grave, on va la récupérer sur le soin et on n'a rien perdu. Ok, j'ai rien dit. Bon, on a le crit, le karma est avec nous. Tout va bien. Il y a eu zéro erreur de ma part. Nickel. 4. Ok, 21. Bah, on peut pas faire grand-chose depuis qu'on est en rabbin, malheureusement. Oh, c'est incroyable. Allez, j'entends une de plus, je me sens fou. Quoique. 90 depuis là-dessus. Ok, l'item est propre en bas. Il va juste falloir s'occuper du haut, ça devrait passer. Allez, on va aller chercher les 299. 12. Ça commence plutôt bien. On a potentiellement une belle tantale. 10. Ok, moins 20, ça va, c'est pas trop mal. 48, bah écoutez, 8 tentats, ça fait longtemps que j'ai pas eu 8 tentats, j'avouerai que ça commence à me faire bizarre. Tout va bien se passer, on va sortir un. Oh, 3%, ouais, c'est pas mal, hein. On commence par quoi, PO ou PA? Ça, c'est toujours la question. Techniquement, je dirais que PO, c'est mieux en premier. Pas de PO. 94 de puits, si je me suis pas trompé, on avait du rab un petit peu des lignes précédentes. Bon, on est pas mal là, on a potentiellement une belle tentative qui se profile devant nous. Comment je gère la vita? Je me pose un peu la question. Je vais pavi, ravi. Allez, j'aimerais bien avoir un moins 10 et pas un moins 11. Ah putain, c'est jamais comme je veux, hein, mais bon. Voilà, c'est quand même mieux qu'un 345. Ça nous fait donc 64 depuis 66 avec les deux res nœuds, donc on a 11 tentares, c'est pas mal. Je vérifie que j'ai rien oublié. Il y a le PO, on le mettra après, hein, bien sûr. Hop. Allez. 2. Ah, je me suis trompé. Des choses qui arrivent, ouais, j'ai un peu grid effectivement sur les lignes d'avant. Mais on a le crit avec nous, tout va bien.
Pourquoi compter le puits quand on peut crit les stats qu'on perd? C'est vraiment plus simple comme ça. Allez, est-ce qu'on a le PO? On a le PO, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 99 de puits. Ok, il n'y a pas grand-chose à retoucher. Ça va assez bien se passer, je pense. Moins 10. Magnifique. Oh, ça se passe tellement bien. Si seulement j'avais le perf sagesse. 79 de puits. On a potentiellement une belle tenta là. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Hein. J'avais bien 12, moins 7, donc 5, plus 94. C'est bon. Le puits est bon, j'ai 79. Bah écoutez, on va partir sur un. C'est 13 tentas ça, hein, si je sais encore compter. C'est pas mal, hein. Allez. Waouh, 2%, incroyable. Inouï. 93 de puits là-dessus. On va commencer par l'intel. On va devoir faire un petit over. Ok, j'ai moins 22. Dommage, ça a tapé dans le reliquat, c'est un peu triste. Ah oui, là aussi, j'ai toujours pas enlevé mon over, heureusement que je regarde. Ok. Ensuite, il va nous falloir une ravie, moins 8. Dommage, ça aurait été pas mal d'avoir la reste qui passe. Bon, on a une belle tenta, hein, 57. Parfait. 48 de puits. Bah écoutez, c'est nickel ça. Hein. Ça nous fait 8 tentes à repair. Allez, une. Bon, c'est compliqué, hein. On n'a pas le PO. 92 de puits ici. On va pouvoir aller chercher le perf, c'est ça. Je vais commencer par la Vita. Moins 10. Ok, le crit, pourquoi pas. Pas forcément là où on en a le plus besoin, mais c'est toujours bienvenu. La ravie, moins 19. Ok. Sagesse qui passe. Ah, j'aurais pu aller chercher le full perf. Bon, c'est trop tard maintenant. Oui, effectivement, les congruences étaient bonnes. J'aurais pu aller chercher le 350 Vita à la rune pod. Bon, bah c'est fait. J'ai combien là? J'ai moins 7. Ok. Moins 4. 15. 37. Bah écoutez, nickel. Hein. Tout est bon. Deux pour cent, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 93 de puits. On n'aura pas le perf sagesse, malheureusement. On va commencer par l'intel. Moins 10. Ok, c'est pas trop mal. Il faudrait quelque chose qui pèse 4 pour enlever ça. Je vais y aller à la fuite. La petite rune fuit. Hop. Voilà, c'est là qu'il faut pas se tromper et ne pas mettre une pas fuit, ce serait un peu dommage. Ok, ça passe, en plus on va pouvoir récupérer le puits. Allez, on va mettre l'assaut. Avec un peu de chance, un crit là-dessus. 16. Ok, un crit sur la passa, ça fait plaisir. 12. Quinze. 30 de puits, 5 tentas. Pas évident, hein, parce qu'on a le PO. On n'a pas le PO. 94 de puits ici, alors on est en 0 PA, 0 PO, donc il va falloir terminer le FM par 3 succès crit. C'est ambitieux, mais bah on tente des choses. Hein. On tente des choses, faut savoir prendre des risques. Alors on va commencer par l'intel. La Vita. J'aurais bien aimé que la pavie elle passe. Ok. Ok. Alors, c'est là qu'il nous faut un moins 6 hein, sur la rune. Bien sûr, c'est là qu'on a un moins 5, hein, c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui va, voilà. J'ai mon succès crit, j'ai mon moins 5, je voulais juste un moins 6.
La tristesse totale. Ok, bon, ça passe, moins 8. Moins 7. 46 depuis. J'aurais bien aimé avoir 2 en rap, j'avouerai. Ça commence là. Je doute d'avoir 2 en rab. Je peux tenter éventuellement. Succès crit sur une ruse qui pèse 2. Et c'est mort. Bon, j'aurais pu gratter une tenta. Tout ça pour un 2%, c'est un peu triste. Hein. Et on n'a pas le PO. 70 de puits ici, bon ça va être un peu complexe, mais on peut avoir un beau jet, donc on va tenter. On va commencer par l'intel. Ok, le crit. Ok, double crit, oula, est-ce qu'on serait pas sur une grosse tenta là? Ok, ça passe pas. Écoutez, jusque là, c'est plutôt encourageant. Moins 2. Il va nous falloir le moins 5 sur la vita pour avoir le perf. Moins 10, ouais, on a vraiment une belle tenta, en plus j'ai un PO, j'ai que 2 succès crit à faire à la fin, super. Moins 5, ok, on a le perf. On a 58 depuis. Il me faudrait... on a 58, en fait on a 59 avec la chance en plus. Je vais regarder si j'avais pas peut-être un peu de rab. Alors là j'ai eu... Moins 2. Plus 2. Ah non, j'avais pas de rab. Bon, j'ai 58 depuis. J'ai 58 là. Si j'arrive à avoir un crit à l'achat, je gagne une tenta. Ah! Enfin, j'ai un crit qui me permet de gagner une tenta. C'est vraiment le truc que je passe ma vie à faire. Et une fois toutes les 200 tentas, je gagne. Donc là, j'ai gagné une tenta raise. Ok, c'est magnifique. Donc si je me suis pas trompé, alors là on est vraiment à 1 depuis près, donc il faut vraiment pas que je me sois trompé. Mais je pense que c'est ok. Donc c'est parti. Ok, on a peut-être un 3 ou 4% qui va sortir. Bon, franchement, si j'ai le 3% perf, ça me va. Hein. Moi je suis preneur. Hein. Est-ce qu'on a le PO? On a le PO. Oh, j'aimerais vraiment l'avoir. Hein. Je promets que j'aimerais l'avoir. Je vais même prendre un petit screen. Allez, franchement, je le mérite. Ça fait 9 heures que je suis sur l'item. Et non. 95 depuis. C'est parti. Je suis en train de mourir intérieurement à cause de la dernière tenta qui m'a laissé un traumatisme. Donc on va essayer de se consoler en espérant qu'on finira avec un 4%, mais... Vous avouerez que là, je suis dans la... Je suis en plein deuil, hein, concrètement. Allez, tac. Du coup, ça va. Je vais finir avec un 3% sur du 38 sagesse ou un truc qui monte comme ça. Ça va être super. Ok. Ok, bon, là, ça passe à peu près. 58 depuis. Alors là, pour le coup, je suis sûr de ne pas en avoir en rap d'avant. On va tenter le crit là-dessus. Non. J'ai donc 9 tentins. Allez, 3% qui va sortir, j'y crois. Et évidemment, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 91 depuis, on a le 40 sagesse, on est toujours en tristesse absolue sur le 3% qui n'est pas passé tout à l'heure. Ça va me marquer un moment, je pense. Bon, on a que les deux premières lignes à toucher, sans compter PA, PO bien sûr. Je vais commencer par l'intel. Ok. Ok, ça se passe plutôt bien. Je vais aller chercher le 347. Oh, quoique. Là, je peux aller chercher le perf, hein, concrètement. Qu'est-ce que je dis? Non. Non, ça va me demander un million. J'aurais été à 248, j'aurais pu faire pavie, et après, over et rune pod, et je tombe à 250.
Mais là, 252, ça va être plus relou. Bon, on va aller chercher 200, le 347 et ce sera bien. Hop. 5, moins 15. Quarante-six de puits restants. Est-ce qu'on avait du puits en rab? 2. Plus 1. Ouais, ça ressemble à du 0 de puits en rab, ça. Ok, bah on va tenter le. On va tenter le crit à la rune Resfix. Bon, c'est mort. Je dis c'est mort parce que si j'en passe encore une et que ça me passe à 4, ça me fera du double exo et je perds de la. J'aurais moins de chances de passer la res, donc on va y aller comme ça. Ok. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 97 de puits. Alors, on a le perf sagesse. On a un petit problème de vita, va falloir s'en occuper assez vite. Je vais commencer par l'over intel. Hop. Allez, on va récup ça. Que faire avec la Vita? Je suis un peu embêté, hein. Ouais, on va aller chercher le 347 une fois de plus. Bon. Let's go. Tac. 6. Ok, on a eu du crit. L'intérêt d'avoir un item, j'allais dire sans le PO, mais non, on a les deux PO, hein. Comme quoi, ça change pas tout non plus. Moins 9, bon c'est quand même un G correct là qu'on a. Le crit. 10. 42, bah c'est parfait, hein, c'est propre ça. Tout tombe tout rond, 7 tenta. Allez, 1, 2. 2%, est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Alors j'ai pas fait gaffe, le PA est retombé juste après, donc là on a 68 de puits, on a dû bricoler un petit peu, j'avais un qui restait des lignes d'avant. Il va falloir s'occuper de l'intel, en priorité, moins 30. On enlève l'over aux esquives PM, la Vita on touche pas, moins 9. Ça, on n'aura pas beaucoup de tenta. Hein. 4, 15 de puits. Allez, on a une tenta sagesse. On va voir si je me suis planté. Est-ce que j'avais bien le puits d'avant? Normalement, j'ai deux tentas. On va voir. Ouais, c'est bon, j'avais bien compté. Je suis content d'avoir bien compté. Hein, ça valait vraiment le coup. Ok, là j'ai deux de puits. Hein, absolument incroyable. 90 de puits ici. 38 de sagesse, malheureusement. Le bas de l'item est bien soigné. Hop. Je vais laisser la vie à 346, c'est ok pour moi. Ok, 71. Oh, on a tout pile les 72 avec le 1 de chance, ça c'est magnifique. Donc 12 tentas. On peut sortir à. Peut-être un 4%, hein, qui sait? Allez, c'est parti. %, ok, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. Alors normalement j'ai 98 depuis, si c'est bien une tacle ici, on y croit. Va falloir over un tel. Ok, j'avais un peu peur que ce soit capricieux, ça passe du premier coup, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. On va mettre l'ado feu. Passe pas la pavie qui passe en crit. Oh, j'avais pas besoin du crit là. Ah là là. Allez, on va mettre une pas faux. Ok, c'est bon. Ok, double crit. Ça me va. Hein. On part là-dessus. Moins 9. Ok, ça part plutôt bien. On aura peut-être une tentative assez conséquente. Moins 10. Ouais, beaucoup de lignes vertes, ça me plaît. 52, bah c'est honnête hein, franchement.
Je pourrais jouer la sécurité et n'en mettre que 8. Ou je peux, ouais, je peux tenter un crit là-dessus. Allez, si j'ai un crit, je gagne une tenta. Donc j'en ai 8. On a le PO. On a le PO. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 92 de puits ici, on a le perf sagesse. On n'aura pas le perf vita malheureusement. Enfin, je pourrais aller le chercher, mais ça me coûterait vraiment beaucoup. Et l'item étant vraiment capricieux, je pense que ça va être compliqué. Allez, on va déjà aller chercher les 60 intels. Qu'est-ce que je fais avec ma vita? Ah, si, allez, je vais aller chercher le perf techniquement. Je peux mettre. Ah ça. Oh allez, je vais tester. Faut que je mette 3 pavis. Il faudra que je mette 3 rune pods. Et à chaque fois je gagne 2. Ah ça le fait hein. Allez. Juste pour voir si la théorie fonctionne bien. Ouais, bon je perds un peu de puits hein. Est-ce que j'ai compté mes pavis? Oui. 42 de puits restants. Et on a le perf. Oh, c'est magnifique. Bon, on n'a plus de puits, hein, mais on est allé chercher le perf Vita, on est content. Je peux mourir en paix, les amis. Alors là, par contre, le dipode, il pèse. Et on va compter 3. Hein. Ok, j'ai 35. Ah, j'ai peut-être un de rab. C'est pas impossible que j'ai un de rab. Je pense que je vais tenter. J'ai un peu la flemme de compter, mais je pense que j'ai 6 tentes. Allez, au flair comme ça. Là, je les avais pas. Bon, on a la réponse, mais c'est bien. C'est, ça nous fait un petit cas d'école. De toute façon, le PAPO repasse jamais, donc quelque part, on peut se poser la question du sens de tout ça, évidemment. Alors, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai fait tomber le PA, mais je faisais pas gaffe, je parlais avec le chat, du coup je l'ai remonté, je suis arrivé sur un GPerf, mais j'avais plus de puits. Et là, en tentant le pourcent reste, j'ai fait tomber le PO, donc là j'ai un GPerf, juste il manque PA, PO, j'ai 45 de puits, donc là ça peut être vraiment sympa. Donc j'ai encore 7 tentas. Là, ça peut faire quelque chose de sympa, très très sympa. Allez, c'est parti. On a un crit. J'en aurai une en rab. Peut-être le 4%, qui sait. Bon, on a le perf 3%, les amis. Deuxième chance, c'est le deuxième de ce soir. Je vais reprendre un screen. Allez. Le PO. Pas de PO. 95 de puits. Allez, on n'aura pas d'over à faire là. On n'aura pas d'UG perf, mais les lignes ne sont pas trop embêtantes à remonter. C'est parti. Ok, 40 pour la Vita, c'est un peu dommage. Ouh, ça picote ça. 30 pour les dommages. Bon, bah, je pense qu'on va pas aller très très loin, malheureusement. Moins 8. 6, allez, 11. J'ai peut-être une ou deux tentas à tout casser. Ah, j'en avais deux. Allez, on va tenter le crit. Et non. Oh, tiens, on peut tenter. Ouais, non. Alors là, je suis juste après le avoir remis le PA. Non, non, c'était le PO. Ouais, je sais plus, bref. Je suis juste après et on a un truc là. On a le PO qui tombe sur une rune soin. Ça me fait 41. Je pense pas qu'il m'en restait d'avant. Quoique. J'ai plus 9, moins 6. Mais d'accord, hein, là j'ai 10, là j'ai 8. Moins 9. J'ai donc plus 3. J'ai 44 là. J'ai complètement 44 depuis. Bon, il va nous falloir du triple succès. Ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas. On aura peut-être une petite tenta qui va proc.
12. Ouais, on a 3 tentes à raise. Hein. Ça peut faire du 3% techniquement. Allez, 2%. Si ça repasse, on fera une tenta raise mêlée. Et non. 94 depuis, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Il va nous falloir beaucoup de crit pour faire quelque chose avec ça. Je pars sur une sérénité très modérée. On va tester. Hein. Oh le crit, c'est vraiment les crits, ça arrive toujours quand il faut pas. Hein. Ça c'est vraiment la base. Et celui-là il fait plaise. Allez, le crit rate ça, c'est tout ce que je demande. Hein. Voilà, c'est bon, le reste c'est de l'eau. Bon, j'ai demandé des crits, on a eu des crits, hein, que demander de plus. On va avoir des tentas, hein. 22. Bah, si j'ai un crit Resnut, j'en gagne une. Faut se tenter. 3 tentas. Ça peut faire un 3%, hein. Tout est possible. Hein. 2%, voilà. Pas de PO. 88 depuis. Moins 20. Ah! Là, on a un problème technique, les amis. Hein. On va avoir un problème de puits. Ça va être, c'est dommage, ça partait bien. Il y avait moyen de faire un truc, peut-être, mais là, c'est... Ah bah, c'est sûr que c'est plus le moment de me faire des soucis crit maintenant. Hein. Bon, Dissini. Bah, allez, je peux tenter 5. Hein, ça se trouve, j'avais un de plus durable. Je vous avouerai que j'ai pas spécialement envie de compter. Évidemment. Évidemment, c'est là-dessus qu'on est à 3%. Est-ce que j'avais un drab? On va voir. Là, j'avais compté 94. Là, j'ai eu... Oh, ça, à mon avis, ça, j'avais rien, là. Là, j'ai eu moins 1. Là, j'ai eu moins 1. Là, j'ai eu moins 3. Là, j'ai eu plus 4. Donc là, je suis à moins 1. Normalement, j'en ai une de plus. C'est pas impossible. Mais je crois que je vais pas tenter le diable. Attendez, on va voir. Normalement, là j'ai moins 1. Ok, j'ai plus 1, plus 5, moins 7, j'ai moins 1. Là j'ai moins 1, donc là je suis à moins 2. Là j'ai moins 3, donc là j'ai moins 5. Alors, en fait, tout dépend de ce que j'ai passé sur les skiff PM. Est-ce que le chat peut me confirmer que c'était une pavie qui a fait tomber les skiff PM? Si c'est le cas... Si c'est le cas, j'ai encore une tenta. Parce que là, ça me ferait là, j'ai du coup plus 4, donc j'avais moins 5 d'avant, donc là, je suis à... Enfin, j'avais moins 5, plus 4, donc là, je suis à moins 1. Sauf que là, je suis à plus 2. Donc j'ai 1 en rab. Je vais regarder. C'est une pavie tracasse. Ah non, mais là, ça ne m'inspire pas confiance quand on me dit ça comme ça. Je vais complètement regarder, je vais faire un liveception et je vais me regarder en live. Et je vais regarder ce qui s'est passé, les amis. On en est là. Hein. Ah! Putain, avec le chat, ça me fait de la merde. Je vais trouver, je suis en train de remonter le temps. Il n'y a personne qui peut me dire c'est une pavie plus fiablement que ça. Je m'attendais à mieux de la part de mon chat. Si c'est une pavie, j'ai un de plus. Hein. Je suis formel, les amis. Je suis dans le passé. Hein. Je reviens dans le présent, dans pas longtemps. Là, je suis dans le passé pour revenir dans le présent, faire des trucs qui me serviront pour le futur. Hein. On en est clairement ici. J'espère que je suis allé pas trop loin dans le passé, parce que là, je vais avoir un souci. Je me suis perdu sur mon stream. À l'aide. À l'aide, les amis.
J'ai toujours pas la réponse, hein. Alors là, je suis en train de me voir demander à mon chat d'aller dans le passé, dans mon... dans mon stream du passé, je demande à mon chat d'aller voir dans le passé. Enfin, c'est fini, les amis, je suis perdu dans une boucle temporelle, c'est sans fin. Attendez, attendez, je crois que j'y suis. Ah bah heureusement que j'ai vérifié. C'était une rune tacle qui a fait tomber l'esquive PM, donc j'avais 0 de puits, donc je suis bien... Je n'ai pas de 4, enfin, je n'ai pas de tenta supplémentaire. Donc j'ai bien fait de regarder. Tout ça pour ça, il faut toujours prendre le temps de faire les choses bien. Celui qui m'a dit que c'était une pavie, il mériterait un ban, hein. Allez, je ne suis pas comme ça. Je suis pas un mec rancunier, moi. De toute façon, quand il m'a dit tracasse, t'aurais pas mis le tracasse et avant le pavie, je t'aurais cru et j'aurais tenté d'avoir une de plus. Enfin, de toute façon, le PO ne passera pas. Hein. Je sais pas pourquoi on se prend la tête. Ah si. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA, évidemment. Les amis, c'est parce qu'on était dans le... C'est parce qu'on était dans le passé, en fait. Comme j'étais dans le passé du passé quand j'ai passé le PA, du coup c'était dans le futur. Bref, du coup c'est nickel. J'ai hacké le système, c'est trop, juste trop fort. Je me suis perdu dans la matrice de Dofus, les amis, et voilà. J'ai désynchronisé le FM de ma temporalité, et c'est comme ça qu'on a le double crit. Que dire de plus, les amis? Que dire de plus? Ce sont des astuces, FM. Là on est sur de la forge magie avancée. De très très haut niveau, donc voilà, c'est des techniques qui demandent un petit peu d'expérience quand même, mais c'est faisable, hein. C'est faisable, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On est quand même à... ça doit faire 15 heures de FM, parce qu'en fait, là, depuis que j'ai repris récemment, je dois être à 12 heures de FM, et j'avais déjà 3 heures de FM il y a genre 7 mois. Et donc là, ça fait au total 15 heures de FM cumulé pour cette cape, pour un vieux G3%, hein. On est là-dessus, très, très clairement. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo de compilation ne va pas être trop longue. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.